Salutations et bienvenue dans un nouvel épisode de Guide sur les Kite Twin Sky. Aujourd'hui, nous allons réaliser la quête Les Restes de Necrolord en temps réel. Pour accomplir cette quête, il faudra avoir terminé la quête Les Tomes du Sorcier, la saga Vengeance et la saga Abîme, de terminer dans leur version intégrale. Il faudra aussi un niveau de 85 en nécromancie et de 77 en assaut de donjon. Vous aurez aussi besoin d'une amulette de fantôme et de votre équipement de nécromancie. Vous aurez aussi à vaincre un trio de squelettes de niveau 112. Je recommande aussi d'apporter une anneau d'affinité pour des téléportations rapides. Pour faire un petit résumé de la quête, la faucheuse vous envoie enquêter sur un ancien apprenti de Razial, pour espérer d'avoir une chance de le vaincre. Cependant, il semble que tout ça ne passe pas comme prévu. Pour commencer la quête, il faudra parler à la faucheuse à la cité d'Hume. Acceptez la quête. Rendez-vous à Dain Monem. Au sud d'où que vous venez de vous téléporter, parlez à un mort empathique. Allez à l'ouest pour trouver le prochain mort. Il se trouve à l'entrée du donjon de recherche. Parlez-lui. Allez au bateau de Détroit. Une fois sur place, allez au nord jusqu'à ce que vous trouviez le dernier mort empathique. Parlez-lui. Retournez à l'entrée de Dain Monem. Parlez à Yudura, tout en vous assurant d'avoir l'amulette de fantôme d'équipée ou encore d'avoir un autre moyen pour parler aux fantômes. Inspectez le cadavre. Inspectez le cadavre de Tainvest. Inspectez le cadavre de Vengeance.
inspecter le cadavre. Allez dans la pièce à l'ouest. Il y aura trois caisses d'encre au sud. Ramassez-en environ 30 de chaque. Inutile d'en prendre plus puisqu'ils disparaîtront après la quête. Allez au nord-ouest de la pièce pour ramasser quelques bougies. Allez dans la pièce la plus à l'est possible. Placez le cadavre au centre. Cliquez sur les emplacements de bougies pour les placer. Faites pareil pour les glyphes. Allez par la U du rat. Parlez de nouveau à Yudira. Allez dans la pièce au sud. Parlez de nouveau à Yudira. Tuez le trio squelettique.
reparler à Yudira. Retournez par là, la faucheuse à hume. Les assassins vont terminer la quête, les restes de Necrolord, ce que vous donne un pas de quête, une lampe de 100 000 XP en nécromancie et une lampe de 50 000 XP en assaut de donjon. Le titre de Necrolord et deux clés de recherche au trésor. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer les prochains guides de RuneScape et de mettre un like. Ça aide grandement au soutien de la chaîne. Sur ce, à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao, bye!